Ben voilà, en plus je vais passer par le magasin, j'ai peut-être des trucs à acheter. Me gratte la tête. Vous venez vendre ou acheter? Un peu des deux. Dommage qu'on peut pas. Bah, j'ai racheté des cartouches hein, quand même. Et là, actuellement, bah voilà. Je suis à... J'ai encore 22 000 à peu près. Ah, voilà. J'ai 22 000 et puis bah l'argent me sert plus à grand-chose. C'était où? Ah, bah, c'est là. C'était quoi ça? Analyse, indice, c'est quoi? Ah, d'accord, ok. J'ai cru que c'était sur la table, l'indice. Ok, c'est juste un raton laveur, quoi. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Oh! Un pont. Oh! Un pont! Quoi? Ah! Nous devons tenir cette position aussi longtemps qu'il le faudra. Si l'ennemi parvient à percer, nous perdrons le peu de terrain que nous avons gagné. Oui. Faisons honneur au sacrifice de vos frères. Faites qu'il ne soit pas mort en vain. Oui. En avant. Aucun quartier pour nos ennemis. Qu'ils regrettent le jour où ils ont marché contre nous. Ok. Go. Connor, mon ami. Vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Ou pas. Où est Charles Lee? Ce chacal. Il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop, et il me revient de tout organiser. Annuler cet ordre. Mais d'où viennent ces soldats? Quel soldat? Ah, oui, là-bas, ok. Mettez l'ordre de retraite! Tout le monde avec moi! Vite, vite! Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde personnelle. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Ok. Bonne chance, mon ami. Eh bah, merci. Je suis pas sûr de savoir ce qu'il faut faire. Pause. Alors, neutraliser les pelotons avec un seul boulet de canon. Ok. 0 sur 8. Éliminer deux pelotons avec un seul boulet de canon. Ok. Ah merde, ils vont tirer! Pourquoi ça les a pas touchés? Ah!
Le mec à cheval là-bas, il me gêne un peu. Si je peux, je vais essayer de taper le cheval là. Je sais pas si j'ai eu le cheval. Si j'ai eu le cheval. Ah merde! Ah, il fallait peut-être que je sois un peu plus rapide. Ok. Ok. Voilà. Merde. Ok. Nous manquons de munitions, sœur. Et l'ennemi avance. Nous devons nous replier, rejoindre les autres et protéger leur fuite. Ok. Merde.
Ok, c'est pas grave, on court. On va mourir si on reste ici. On peut plus rien faire ici. On va mourir si on reste ici. Partez! Je vais m'en occuper. Allez, go! Ah, ça va, j'avais le temps. J'avais encore le temps. J'aurais pu gagner un peu plus de temps. Bravo, mon ami. Vous avez sauvé de nombreuses vies. Oui. Connor? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi ? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Ok. Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles, ou nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Un coup de surin, c'est je peux le faire vite fait. J'ai décidé d'épargner sa vie. Je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Ah, nouvelles armes disponibles en boutique. Ah, on va pouvoir dépenser nos sous. Ah voilà, normalement il reste que deux séquences, la 11 et la 12. Je sais pas si on finira cette semaine, hein. Parce que je pensais que le jeu il finissait genre au chapitre 11. 10, 11, je pensais que le 10 c'était la fin, plus ou moins la fin, quoi. Il est arrivé quelque chose, Desmond. Ah ? Abstergo tient ton père. Où ça ? L'Italie, là où ils t'ont détenu. Vous attendez quoi au juste ? En route ? C'est pas tout. Quoi encore ? Bonjour, Monsieur Miles. J'espère que vous allez bien. Ou aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. Il semble que nous ayons chacun une chose que l'autre désire. Je vous propose un échange. Apportez-moi la pomme, et je vous rendrai votre père en parfait état. Si vous refusez, je vous le rendrai quand même, mais dans un état plus précaire. Vous saurez sûrement lui éviter un tel traitement. J'ai toujours su qu'on en arriverait là, mais pas aussi vite. Je me demande si Abstergo sait ce qui va se passer. Cela a-t-il toujours fait partie de leur plan? Peut-être souhaitait-il voir la Terre réduite en cendres. Il disposerait enfin de ce nouveau monde qu'il rêve de façonner. Mon père voudrait qu'on aille chercher la dernière source d'énergie et qu'on l'abandonne. C'est certainement ce qu'il souhaiterait, qu'on termine la mission. Mais je peux pas. Prendre une vie est difficile. Et en laisser une disparaître, alors que je peux l'empêcher, pas question. Je vais peut-être risquer les nôtres pour sauver ce fou furieux. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix ?
ce fou furieux. C'est mon père, après tout. Ils retiennent probablement ton père dans les étages supérieurs, comme ils l'ont fait pour toi. Il y a des ascenseurs au bout du hall. Grimpe dedans sans faire voir. Ça va être compliqué. Ils le savent forcément. Un mec en capuche ! Ah, j'ai deux questions. Un, la pomme, elle a l'air tellement magique. Pourquoi on s'en sert pas pour convaincre psychologiquement le mec de faire bah en fait tu relâches mon père et puis voilà. Et en fait tu veux pas la pomme. Ou un truc comme ça, quoi. Elle a l'air méga. La pomme a l'air méga cheatée, mais personne ne l'utilise. Donc voilà. Deuxième question. Est-ce que le temps dans la simulation des ancêtres est le même que dans le temps réel? Parce que je suis en train de me demander. Là, on va dire, j'ai fait à peu près une trentaine d'heures de jeu. On dit que le jeu, j'ai vu dans les tests, qu'il faut à peu près une trentaine d'heures pour faire le jeu sans tourner, sans voilà. Ça veut dire que pendant 30 heures, le gars, il mange pas, il va pas aux toilettes, il boit pas. Si c'est en temps réel, hein. Mais si c'est pas en temps réel, est-ce qu'on a une référence de temps? C'est-à-dire, parce que comme j'ai pas fait le premier, c'est peut-être expliqué, mais je sais pas. Bref, let's go. Je suppose que les deux gardes en face, ils vont pas me laisser passer. J'ai l'air vachement suspect en fait. Remettez-moi vos armes et suivez-moi, monsieur. Quelles armes? Je connais le chemin, mais merci, c'est gentil. J'aimerais éviter d'en venir aux mains, monsieur Miles. Alors laissez-moi passer. Maîtrisez le sujet, s'il vous plaît. Ah, ça doit faire mal, ça. Quitte à être repéré, hein. Autant y aller comme un bourrin. Niveau 4. Passe par les escaliers, pas l'ascenseur. Tu vas te faire niquer dans l'ascenseur. Les jeux vidéo l'ont toujours dit. Les ascenseurs, c'est une mauvaise idée. Je suis triste de constater que vous n'avez rien appris depuis votre départ. Emprunter un ascenseur en environnement hostile. Quelle naïveté. Je l'avais dit. Où est mon père? Vous le verrez très bientôt. Maintenant, soyez un bon garçon et attendez que les gardes viennent vous chercher. Tu vas devoir faire le reste en grimpant. Tu vois, par exemple, il nous aurait dit, on prend l'escalier, puis à un moment, il aurait bouché, on aurait traversé un couloir, on aurait pris l'ascenseur est pas là. Il nous aurait dit, bon bah, il faut monter dans la cage d'ascenseur. Ça m'aurait... Et là, à ce moment-là, il aurait dû faire... par un moment, faire des... Il faut garder un visuel. Il ne doit pas être loin. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi je peux pas aller? Ok. C'est pas grave, je sais. Y'a un mec! On peut pas l'interroger?
Ok. Alors, je veux pas dire, mais ce lieu, il sert à rien, en fait. Je viens de voir un truc qui est pas possible. C'est dans le passé qu'on a récupéré la bague. Pourquoi j'ai la protection anti-balles ? Non. C'est pas logique que j'ai la protection anti-balle parce que je l'ai récupéré en tant que Connor et pas en tant que mec comme ça. Je réfléchis, hein. Donne-moi la pomme. Non. Inutile de te planquer. Je suis armé et toi, tu n'as nulle part où aller. Et moi aussi, je suis armé. Au fait, Desmond, on est au 21e siècle et tu te balades toujours avec un petit couteau pour te défendre. C'est ridicule. Allez, Desmond. La partie est finie. Non, non! Pas maintenant! De quoi? Il reste du travail à faire! Tue-le! Yeah. Sors de ma tête! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il m'attendait, lui ? C'est bizarre qu'il m'attendait. Les vitres n'ont pas l'air très... question bête. Il est où le corps du mec ? J'autorise l'emploi de la force létale. Tuez-moi ce misérable et apportez-moi la mort. Ah, ok. Je suis censé descendre comment ? Ok. Je
Je sais pas du tout où est-ce que je vais, hein. Moi, j'ai vu des mecs, je les ai butés. Et pourquoi je peux pas prendre leur gun? Moi aussi, je veux un gun. Une arme à distance. Ah ah! Non. Je sais pas du tout où je dois aller, hein. Vous pouvez le constater, hein. Ah ok, je dois rattraper lui. Ok, ok, il avait sauté, d'accord. Oui, Vidic. Reprends pas l'ascenseur, abruti. Ils te l'ont déjà fait un coup. Et pourquoi j'ai un gun maintenant? C'est un piège. Vous l'avez tué. Daniel était comme un malade peut-être, mais avec un tel potentiel. Il a fait tant de choses. Et avec quel talent. Maintenant, vous l'avez pris. Vous nous l'avez pris comme la forme. Comme Lucie. Nous aidons le monde des secondes. Nous le protégeons de lui-même. Mais vous, tout ce qui est mort. Bah dépêche-toi! C'est où? T'as ouvert? Ah, là, ok. Ils sont beaucoup quand même! Ah, ils sont quoi? 5? Plus le mec? Mon père? Ouais. Pourquoi j'ai pas pris le gun? Pas si vite, monsieur Miles. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est moi qui décide ici. Je sais pas pourquoi.